Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo. C'est un petit make-up rapide avec la Macaroon palette de I Love Revolution. Donc ce matin, je suis un peu enrhumée, j'ai le nez qui coule, je me mouche beaucoup. Donc le teint, je vais pas le faire, je vais peut-être mettre un petit coup d'highlight après, hors caméra. Et c'est tout ça, je vais me limiter aux yeux parce que j'ai les yeux qui ne coulent pas, donc enfin à peu près, donc ça va. Je vais mettre normalement, si tout va bien, le crayon couleur riche, le Kohl, le vert que j'avais acheté chez Saga de L'Oréal, et en muqueuse externe au-dessus, le noir de chez Action. Voilà, et mon mascara Action. Non, pas Action, j'ai pas encore d'Action, j'ai pas trouvé celui que je voulais en fait, de chez NYX. Déjà, je vais me primer les paupières avec mon crayon Milk de chez NYX. Voilà, alors ça va être un petit truc rapide parce que j'ai vraiment pas de... J'ai pas envie de me maquiller beaucoup. Voilà, alors je vous laisse admirer ma nouvelle couleur. Ça a été fait hier soir, d'où les petites taches au-dessus, même sur le crâne. Mais j'ai nettoyé, mais c'est vrai que les arrichés sont très 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 pigmentés. Donc c'est assez dur de faire partir. D'ailleurs, je vais vous montrer les doigts. Pourtant, j'avais mis des gants et ça, c'est les traces quand j'ai fait un peu mousser ma couleur. J'ai oublié que bah, j'avais pas de gants. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Du coup, je me retrouve avec les mains un peu roses, surtout une. Alors, je me prends mes pinceaux que j'ai oublié de sortir. Voilà. Alors, je sais pas si vous aimez bien, mais moi je préfère même celui-là comme rose qui tire un peu au violet, un peu foncé, rose foncé. Voilà, avec vraiment des tons forts violets. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis dedans, dans mon mélange, une pointe de pink, donc c'est le rose très flash, que j'avais mis en masse la dernière fois. J'ai mis cerise et rouge rose de la Richer. Donc j'avais fait un peu et pas mal d'après-shampoing. Donc sinon ça aurait peut-être été plus sombre, je ne sais pas. Et du coup j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup la lumière artificielle que j'ai ne rend pas justice à la couleur, vraiment. Mais c'est très très joli. Alors je vais utiliser donc la Macaroon, je vous avais dit. Cette petite couleur, donc ça s'appelle Chocolate. Donc c'est un petit beige plutôt clair. Donc je suis pas sûre, je vous avais fait un make-up avec la Macaroon, parce que faudrait que je regarde un peu parce que j'ai des doutes, mais alors en tout cas celle-ci, moi je l'avais achetée, je l'avais reçue, pardon. Dans la palette, la grosse palette Chocolate, le Vault, et il m'en manque une dans cette collection, c'est la violette. Je sais pas si je vais l'acheter, j'hésite, mais en tout cas, elles sont de qualité, en tout cas, vraiment de très très bonne qualité. On va un petit peu estomper, voilà. On va essayer de faire quelque chose de frais. Dans les tons un peu bleutés verts. Ce qui est quand même une majorité de la palette. Hein, donc, des teintes qu'en tout cas majoritairement qui m'attirent naturellement. Je vais prendre ce vert, c'est le Divine. Alors, je ne suis pas sûre que je vais dans le bon ordre pour les teintes. Mais je pense que je vais aller du plus foncé au plus clair. Je pense que je vais faire ça. Alors j'ai pris un pinceau un peu fluffy mais plus précis que l'autre. Comme ça, hop. Voilà. Alors bah, j'aimerais savoir, vous avez passé un bon week-end? Parce que là on est, comme c'est le make-up du lundi, hein. Comme d'habitude. Celui de la semaine dernière, il sera en ligne normalement mercredi. Et celui-ci,
En théorie, parce que bien sûr, vous me connaissez en ce moment, je suis moyennement régulière et du coup, des fois les vendredis, vous n'avez pas de vidéo parce qu'en fait, j'ai eu un souci de montage, etc. etc. Donc voilà. Ou il est en retard. Hein. Voilà, donc normalement, vendredi, vous aurez ce petit make-up là. Et celui de la semaine dernière, lundi. Voilà. Enfin, lundi. Mercredi. Voilà. Donc il est presque monté au complet l'autre. Donc tout va bien. Je vais remettre un petit peu de chocolat parce que je trouve que il a été dévoré par le verre. Voilà. Comme ça, mon fard transition. Et en même temps, ça me fait un petit dégradé. J'ai hâte que Marion Macamélon fasse sa vidéo dégradée parce que. Bon. Je m'en sors pour mon maquillage, mais je sais qu'il y a plein de défauts et que j'aimerais pouvoir, surtout au niveau du dégradé, je pense, j'aimerais trop pouvoir corriger mes erreurs de dégradé. Après, je vais prendre ce petit clair que je vais mettre en dessous. Il s'appelle Ising. Je reprends le même pinceau. Donc, je mets en dessous. Voilà. Je trouve très très joli celui-là. Alors c'est une palette que moi j'ai déjà utilisée en dehors de la caméra. En dehors de la caméra, ça c'est certain. Je l'aime beaucoup. Mais j'avais pas utilisé les verts, j'avais utilisé plutôt les bleus qu'il y a dans la palette. Voilà. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup en fait. Je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, si ceux qui l'avaient acheté déjà avant le Volt ou qui l'ont eu avec le Volt. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très belle. Et déjà, de toute façon, elle me faisait de l'œil avant que le Volt sorte. Donc, et du coup, j'en avais très envie déjà de base. Pour un peu casser ce côté un peu vert, je pense que je vais utiliser ce petit bleu-là. Pardon. Voilà. Qui est un peu. Alors je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau plat pour le tapoter. Alors attendez. Et je vais tapoter sur la paupière mobile qui est restée vide. J'aime de ouf. Alors à la base, j'étais pas motivée pour maquiller, puis je me dis, oh, allez, allez Céline, c'est lundi, sachant que le reste de la semaine, en général, tu te maquilles pas beaucoup parce que t'as pas le temps. Surtout mardi et jeudi. Profite des jours où tu as le temps de le faire. Parce que c'est pas. C'est sûr que quand je me lève à 5h et quelques, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps. Je pourrais prendre le temps parce que. Dire j'ai pas le temps, c'est pas une excuse. Parce qu'on peut prendre le temps, mais j'ai pas envie. Le temps que je prendrais à maquiller, je le préfère à faire dodo, sachant que en général, j'ai du mal à me coucher le soir. Du coup, je me couche un peu tard et le lendemain, c'est assez dur de se lever, donc je préfère dormir. Alors, en coin interne, je vais mettre le petit verre qui est là. Et il s'appelle Dessert. Alors, donc. Il est vraiment beau. C'est plein de lumière, je trouve. Je vais essayer de le monter un peu dans le creux. Comme ça. Pour apporter un peu de lumière. Et je vais le descendre un peu dans mon ratine. Voilà ce que ça donne. Enfin bref. Je vais prendre mon crayon vert, je vais le mettre en dessous, mais pas forcément en muqueuse, mais vraiment je vais essayer de le mettre en ras de cils et de le flouter. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo de Marion Caméléon qui, entre guillemets, elle disait juger ses abonnés. Elle donnait des conseils, elle disait qu'on avait tendance à ne pas travailler notre ras de cils. Et c'est vrai que, perso, je le faisais pas trop, j'avais peur de trop en mettre.
pas que ça me plombe le regard, mais d'en faire trop en fait. Et que, bon, en même temps, je pourrais me permettre, j'ai les lunettes, hein. Sachant que je me permets le haut, pourquoi je me permettais pas le forcément le ras-de-cils, ce qui était idiot. Donc, je vais essayer de faire quelque chose aujourd'hui d'un peu plus travailler en dessous. Je vais essayer. Je vais reprendre le vert foncé que j'ai utilisé au départ, le divine, pour mettre par-dessus mon crayon vert. Voilà. Plutôt pas mal, hein? Bon, j'en ai mis aussi dans la muqueuse. Je vais en mettre de l'autre côté aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'aime beaucoup cette palette. Je vais mettre un petit peu le vert, le dessert. J'aime le. Allez. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup ce petit make-up du jour. Alors, je sais pas comment a fait le trait de liner en haut. Enfin, de liner. En muqueuse, je vais essayer. Ouf. Ah. C'est pas fameux parce que j'en ai un peu mis sur ma paupière supérieure, du coup, je vais arranger ça. Avec le bleu, parce que du coup, bah, je me suis mis du noir. Voilà. Sur les deux paupières. Et du coup, j'ai dû enlever ça avec mon doigt. Je mettrais bien une petite pointe de lumière au centre de la paupière. Avec la couleur coconut. Donc, c'est un blanc nacré qui est là. Alors, je vais essayer. Au pinceau. Mais vraiment une petite touche et hop ça éclaire tout de suite. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Je vais réutiliser le coconut pour au-dessus de ma paupière, enfin au-dessus, au niveau du voilà là. Voilà. Pour un peu alléger la paupière. Donc là, ça c'est fait. Il ne me reste plus que le mascara. Donc, je ne mettrai pas de rouge à lèvres non plus parce que bah, quand je me mouche, voilà, le rouge à lèvres se sauve sur le mouchoir. Donc ça ne sert à rien. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais mettre juste un baume à lèvres. Voilà, un peu de mascara. Et. Et voilà, donc un petit make-up du jour, tout rapide. Avec les petites lunettes, je trouve qu'on le voit assez bien. Oh, ça me gratte. Que bon, c'est pas ouf, mais moi ça me va, ça me suffit pour la journée. Sur ce, ben, en tout cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes et ça fait toujours plaisir. En attendant, en tout cas, de vous lire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.